pouvez se mettre au même niveau que les autres. Dans votre EMI, triple option, tout le monde avait l'impression qu'ils allaient quitter mon appareil. Alors que c'était la chance de papa ou pas. Et on avait vraiment une complicité, il y avait une fraternité. Il aimait encourager les autres. Il n'y a pas une interview où papa Wemba n'a pas parlé de Barbara Kanam. Même la dernière interview qu'il a donnée à Bichon, il a dit qu'il devait chanter avec une grande artiste. Parmi ces grandes artistes, il y avait Barbara Kanam. Donc c'est pour dire la considération que ce monsieur qui avait déjà toutes ses années d'expérience, ou à Pessina, il m'a tendu la main, il a toujours été là pour moi. Donc je tenais à être là avec tous les artistes ici pour lui présenter, vraiment me dire que nous sommes touchés, il va nous manquer. Parce qu'il n'y aura pas de papa Wemba. Toi, pour te passer à la condoléance, la maman Amazon, la Panadaye, la Baptiste, la peuple congolais, l'Afrique, parce que papa Azalaki, l'ambassadeur de l'année. Et ce qui fait mal, c'est que Tawa aussi, d'être réalisé finalement, qu'on avait, vous avez dit presque un extraterrestre. C'était un homme, c'est une légende, c'est un mythe. Oui, voilà, un homme tout, qui a marqué tout le monde, il avait Japon. Quel artiste a fait ça? On a un petit regret parce qu'on aurait dû lui dire encore un peu plus notre amour, notre affection. Mais il est parti de là-haut. Je pense qu'il sait combien nous l'aimons et qu'il nous manquera. Mais voilà, c'était facile quand tu l'as appelé pour que vous puissiez changer ensemble. Ça s'est passé. C'est lui là, qui m'a appelé, c'est lui qui m'a contacté, qui a insisté, qui m'a cherché. Ça a duré au moins 6 mois avant qu'on ait vraiment le temps de se retrouver et de faire ce futurin. D'ailleurs, à l'Obakinze Mwana, et ça nous est sur mesure, Barbara. Et il m'a donné vraiment la liberté de chanter comme je le voulais. Et dans le studio, ça s'est très bien passé. Il était très... Azamuto, Azalagi, très... On dirait papa, quoi. Donc, Azim, ça lui dit, non, ça l'a voulu. Et ça s'est très bien passé. Et mon Azali, il était très... Vraiment dans l'admiration, parce que la MB en a très... À l'Obi, je n'ai jamais vu ça. C'est Mbobo, il est vidé, il est dans le studio, il est bien, une seule fois, pas la Mbobo. Il était vraiment heureux. Même quand on a fait le clip, je crois que vous voyez papa Wemba, il était heureux. On dirait que Messana Kala, c'était seulement en 2013 qu'on s'était vraiment approché l'un de l'autre. Mais avant ça, papa Wemba, chaque concert, on a tous à la maquille, papa Wemba était là. Ça, je peux le témoigner, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. À un concert mon côté à Barbara Kanam. Le dernier concert qu'on a fait, c'était la présentation de l'album Zawadi. C'était le 28 novembre dernier. Il était là, il était à l'heure, à Zélie, comme tout le monde. Il n'a rien réclamé. Et donc, j'ai vraiment. Moi, j'ai perdu un papa. Voilà, cette mort si brusque, quelle raison a-t-il?